Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes encore avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le parasite de service, Zygote. Et voilà. À votre service. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trop envie de le prêter. Mais... Alors on va couper un arbre, déjà on va commencer par ça. Je vais agrandir le champ de blé. C'est moi ou t'es envahi de pommiers là? Je suis envahi de pommiers, il y en a de plus en plus. C'est vraiment... Ça commence vraiment à être critique. Parce que c'est... Ça, je me pose la question assez souvent, je me demande, mais il y en a de plus en plus ou c'est moi? Mais non, il y en a vraiment de plus en plus. Non, non, c'est bien le cas. C'est pas un problème, il y a juste plein de pommiers. Ah ouais, nous allons faire des armes aussi, parce que les armes, c'est bien. On va faire de l'armure en bois. C'est pratique. Et après, on va descendre d'un étage. Attention, les choses sérieuses vont commencer. Hop. Donc on va rajouter du blé. Ce qui est pas très pratique parce qu'on ne peut pas faire des grandes lignes. Enfin, des grands carrés, justement, on est obligé de faire des lignes. C'est pas très pratique, ça. D'où l'intérêt de la touche majuscule. Ça marche pas avec ça, il me semble. Si, si. En même temps, c'est moi qui ai jamais essayé, donc... Hop. Alors ça, ils vont galérer maintenant à planter ces trucs-là, puisqu'ils vont forcément vouloir aller le mettre à faire de la farine. Voilà, et puis pour planter ça, ils vont aller chercher partout dans la map maintenant que t'as le pont. C'est ça. Forcément aller chercher le blé à l'autre bout de la map, hein, alors qu'il y en a juste à côté. Ah non, lui il est intelligent. Il est intelligent. Bon, par contre, il a foutu n'importe où, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Oh, un héros. Alors, est-ce que je peux lui rajouter un point de patrouille? Ah non, pas lui. Il patrouille tout seul comme un grand. Bah, on va faire un point de patrouille ici. Hop, hop. Et puis on va lui en mettre un ici aussi, comme ça il va patrouiller entre là et là. Ou juste s'arrêter là. Ça, on va bien voir. Avec un peu de chance, il va amener sa tarte aux pommes. Oui. Ouais, c'est toujours mieux de manger au milieu d'un donjon, dans une caverne. Hein. Ça rajoute du charme à ce qu'on mange. Là, on aurait pu aller par là aussi, tiens. Alors. Super, rien. Un slim. Deux. On va pouvoir commencer à faire des routes colorées aussi. Ah bah oui, tiens, avec le paquet de slim. Enfin, de green slim. Alors, retirer le point de patrouille. Ajouter un point de patrouille. Retirer le point de patrouille. C'est bien, mais c'est long. Ah, super. Je suis encore coincé dans un coin. Tu as encore trouvé un urinoir. Bon, on va les patrouiller ici maintenant. Ajouter un point de patrouille. Ah bah non, en fait. Il est comme un grand... Ah bah c'est pas lui. Je me disais aussi que c'était trop facile. Un Volda qui fait ce qu'on veut. Mais c'est trop facile. Alors le héros et tout. Ah bah lui, il est arrivé. Le héros punk est arrivé ici. Oh, et tu as retrouvé... Ah bah le héros punk est... Ah bon, bah il y a du cuivre, c'est déjà ça. On a plus de héros punk. Quelque chose. Voilà, on va faire un cimetière. Alors, c'est donc quoi? C'est dans Utilities le cimetière? C'est utile une tombe? C'est très utile. C'est un conteneur une tombe. Je sais même pas où c'est. C'est pas dans la déco, ouais? Ouais, je crois que c'est décoratif. Ah, c'est... Ouais, c'est ça. C'est hachement décoratif, ouais. Une tombe, c'est décoratif. On va en prévoir quelques-unes de plus, ok. Ah oui, tu peux en mettre, hein. Ça va servir. Ah bah oui, bah ah voilà. Bah oui, effectivement. Comme quoi, ça sert toujours. Ah, c'est sympa ça. On va faire ça. Hop, voilà. Je t'ai fait un truc joli. Cubicle Bush Garden. Oh, ça, je pourrais faire ça un jour. Hop, on va faire ça ici, tiens. Hop. Aujourd'hui, on fait de la déco. Épisode déco. Alors Valérie, que nous prépares-tu aujourd'hui? Un tout level garden. Parce que c'est marrant d'avoir un tout petit jardin, mais c'est encore mieux quand il a deux niveaux.
Et puis ça va être l'occasion de recycler, d'utiliser la boue. Tous les barils de boue qu'on a. Est-ce qu'on a une petite tombe déjà, non? Ça serait bien qu'il se dépêche avant qu'il y ait un nuage puant qui se dépêche. Bon, bah avant qu'il y ait ça, quoi. C'est pas grave. Allons-nous hein. avoir droit aux fantômes? Ah bah oui, forcément au bout d'un moment là. C'est bien, on va pouvoir avoir un peu de cuivre. Ouais, mais si ils ont retiré le corps, ça veut dire que oui, on a une petite tombe. Ça, c'était notre héros. Repose en paix. C'est ça. Reviens plus. Tu servais à rien. Alors, la question du jour, à quoi sert le cuivre dans Towns? Ah, mais là, on a un autre héros qui est arrivé. Peter Froissart. Yeah, Peter. Enfin, quelque part, quoi. Cherche à la taverne, il peut être que là. Ah, effectivement. Ah, il est là, là, lui, non, non, ça c'est elle. Bon, bah, on a un héros. Allez, on va en attirer d'autres. Et un de plus, et encore un de plus. Et voilà, plein de zéros. Ah, en même temps, on va faire un petit atelier ici, tiens. Ici. Oui, j'ai une définition particulière de petit. Je me demande si, comme moi, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent à un moment ou un autre que tu creuses une fois trop loin et que tu te retrouves envahi de flotte. Ça va arriver, hein, c'est pas... Faut pas s'inquiéter. Le fail en direct. Faut pas s'inquiéter grand-chose pour ça, ça va forcément arriver. C'est bien, parce que là, à cet étage, il y a déjà plus de rivière, donc... Au pire, on les noie, hein, c'est pas un problème. Je les aime bien, mais bon... Je les aime bien, mais on en a plein. C'est un peu interchangeable, un vitoyen. Tu es un monstre. Oui. Un peu de cuivre. Oh, un héros. Walter Bone. Iron Short Sword. Ah ouais, quand même. Walter. Moi, je l'aime bien, lui. Et on va leur faire un lit ici, tiens. Hop. Tiens, un lit dans la boue. Si tu es un héros et que tu aimes la boue, viens migrer chez nous. Viens habiter à Véville. Ils ont fini des petits buissons. C'est mignon. Ça marque l'entrée. Est-ce que je peux les mettre en sous-sol? J'ai plus où c'était là. Allez, est-ce que je peux le mettre là? Clic. Oh, un bonsaï. Oh, un bonsaï rouge. Allez, un bonsaï rouge. Ah, c'est sympa aussi les petites têtes en déco, une tête de gobelin, une tête... Ouais, mais il faut la tête déjà, j'en ai pas. Allez, une statue d'un héros légendaire. Jugé. Aujourd'hui, épisode déco. Prestige. Ils en sont où au niveau bouffe? Ouh, ça commence à être critique. Ah, on se disait aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé bouffe et famine. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de bouffe dans Towns, on évoque forcément le mot famine. C'est assez lié. On va préparer un nouveau coin blé. Et zut, j'ai choisi... Et zut. Et oh, galère. Si toi aussi tu es dyslexique, joue à Towns. Ça y est, on a fait pire tous les auditeurs. Ça allait bien le coup de devenir émission de la semaine. D'ailleurs, merci à tous pour ça. Non, non, ce n'est pas une part importante du gameplay d'aplanir le terrain dans Towns, pas du tout. Bon, hein. Et toi aussi, passe une demi-heure à planir le terrain. Ça leur permet de gagner du temps pour faire de la bouffe. C'est ça, ils rangent un petit peu, ils font de la nourriture, ils récoltent des pommes. Ils vont à la taverne, surtout à la taverne. Et surtout à la taverne. Ça va, on cultive pas encore des houblons. Ouais, tu as encore des nouveaux amis vitoyens. Voilà, parfait. C'est le fait d'arranger le paysage. Maintenant que c'est joli.
Ah bah un héros a annoncé le même gars tout à l'heure. Il n'a pas changé. Bon. Hein ? On va faire encore un petit champ de blé ici. Alors. Tweak. Clic. Alors combien de héros on a maintenant ? Toujours personne, toujours personne. J'ai toujours pas mes jardins intérieurs. Non, faut qu'ils aillent chercher un buisson à l'autre bout de la carte. C'est ça, c'est vrai que le seul buisson qui est utile, c'est celui-ci. Il faut absolument ce buisson. Ah oui, c'est totalement indispensable. Là, c'est pas possible autrement, il faut forcément ce buisson-ci. Ah oui, mais mon atelier doit être presque prêt. Alors, un atelier ici. Je ne sais pas ce qu'on met dans un atelier, mais c'est pas grave. Et un arena. Trop grand. Welcome to the arena! Et donc, vu que ça doit faire peut-être à peu près le temps. Tout à fait. Nous allons nous laisser là aujourd'hui et regarder ce héros faire je sais pas quoi. N'importe quoi, comme d'habitude. Ouais, il est venu dans l'atelier. Il voulait être sûr que ce soit bien fait. C'est oui, ça. C'est bon, il y a de la bouse, je valide. Il y a de la bouse, c'est parfait, c'est très bien. Et donc, on va se laisser, hein. Merci à tous, au revoir. À bientôt.